Bonjour les amis, très 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 heureuse de vous retrouver à nouveau pour un petit test, le second avec le flow et troll. Ça y est, je l'ai reçu, alors maintenant je m'amuse tant et plus. Alors ce second test va consister en une mise en place sur mon petit carton entoilé une première couche blanche dans laquelle il y aura du flow et troll, des couleurs dans lesquelles il y aura du flow et troll, et un petit blanc de recouvrement dans lequel il y aura du flow et troll. Bref, vous avez compris, aujourd'hui je joue la carte du flow et troll à fond. On voit ensemble le résultat de ce test. Je vous invite à m'accompagner pour la réalisation de cette petite toile. Je suis très heureuse que vous soyez là aujourd'hui avec moi. Je vous souhaite du plaisir à visionner cette vidéo et je vous dis à très 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 bientôt les amis. Bon, je dois vous dire que je suis assez excitée à l'idée de ce nouveau test. Je suis un peu comme un enfant qui aurait reçu un nouveau jouet. Je suis là sur un tout premier test avec Flow et Troll. Donc, je fais le test. Si ça fonctionne super bien, je vous donne la recette. Si ça ne fonctionne pas super bien, eh bien, je réitère mes essais jusqu'à ce que ça réussisse super bien. Et c'est seulement quand vraiment ça aura très bien réussi que je vous donnerai la recette, parce que il y a tellement de choses qui se font sur le net, plein de recettes différentes. Moi, je commence à m'embrouiller quand je regarde trop. Alors, j'ai pas envie de vous embrouiller avec des recettes aléatoires ou approximatives. Voilà. Là, c'est un premier essai, une première recette. Et si ça n'est pas bien, eh bien, c'est pas grave. Je referai un test avec une recette un peu différente. Et quand vraiment on aura bien réussi, je vous communique tout ça. OK. Donc les couleurs, parfait, j'ai travaillé qu'avec deux couleurs parce que pour un premier test, ce n'est pas cette notion-là qui me semblait la plus importante. Et ça, c'est mon blanc de recouvrement. Voilà. On y va. Je vous chipe ça 2 secondes, le temps de souffler doucement au centre. Voyons voir maintenant ce que ça donne quand on bascule tout ça. Voilà, je vous montre. Alors, c'est très joli, hein. C'est vraiment quelque chose qui est joli comme tout à regarder. Je prends la caméra en main, attendez. Voilà, caméra en main, c'est plus simple. C'est très, très, très joli. On a vraiment un très beau résultat au niveau des couleurs, du rendu. Mais malgré tout, ça n'est pas du tout ce que j'attendais. J'aurais voulu obtenir cette espèce de dentelle là, dentelle blanche sur les couleurs. Et ben là, je n'ai pas du tout cet effet dentelle. On refait un test une autre fois pour voir si on arrive au résultat que j'attends. À très vite, les amis. À bientôt.